Or, je dis la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. C'est pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'autrui? Si moi, je participe avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont moi, je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Comme moi aussi, je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je le suis de Christ. Chapitre 11. Or, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les ai donnés. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie et qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte, on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Car l'homme est à l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme. Mais toutes choses procèdent de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être ouverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Mais si quelqu'un paraît vouloir contester que nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu, or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas. C'est que vous vous réunissiez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. Et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés parmi vous. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale. Car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son profité, et l'un a faim et l'autre finit. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger, pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, vous dirai-je? En cela, je ne vous dis pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce coup-ci que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez, vous mangez, attendez-vous l'un l'autre. Quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour être jugés. Or, quand aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. Chapitre 12. Or, pour ce qui est de manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers l'idole muette, selon que vous y étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus, ce n'est par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Et il y a diversité de services et le même Seigneur. Et il y a diversité de variations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de grâce et de guérison par le même Esprit, et à un autre des opérations, des miracles, et à un autre la prophétie. Il y a un autre des discernements d'esprit, il y a un autre diverses sortes de langues, il y a un autre l'interprétation des langues, mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant chacun en particulier comme il lui plaît. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, soient un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps. Est-ce à cause que cela, il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres chacun dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tout était un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin.
Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée d'abord, les apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons, des grâces, des guérisons, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous sont-ils des dons, des grâces, des guérisons. Tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un aérien. Il résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connais tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliments tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, il y a des prophéties, elles auront leur fin. Il y a des langues, elles cesseront. Il y a de la connaissance, elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Maintenant, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Chapitre 14. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser, parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Mais en esprit, il prononce des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Or, je désire que tous parliez en langue, mais surtout que vous prophétisiez, mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, afin que l'assemblée reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe,
ciel ne rende pas de son distinct, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? De même aussi, vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligent, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans son distinct. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doué pour l'éducation de l'Assemblée. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme saint dira-t-il l'amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Car toi, il est vrai, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer sainte parole avec mon intelligence, afin que j'inscrive aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits-enfants, mais dans vos entendements, soyez des hommes. Fait, il est écrit dans la loi, c'est dans d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. De sorte que les langues sont pour signes, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Si donc l'assemblée toute entière se réunit ensemble, et que tous parlent en langue, et qu'ils entrent des hommes saints ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils entrent quelques incrédules ou quelques hommes saints, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi, tombant sur sa face, je rendrai hommage à Dieu, disant que Dieu est véritablement parmi vous. Qu'est-ce donc, frère? Quand vous réunissez, chacun de vous a un son, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation, que tout se fasse pour l'éducation. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux, ou tout ou plus trois parlent, que chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Et que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre, qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit jusqu'à loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler de l'assemblée. La parole de Dieu est-elle procédée de vous ou
Est-elle parvenue à vous seule? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre. Chapitre 15. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain, car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze, ensuite il a été vu de plus de 500 frères, à la fois dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tout, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ici, et vous, vous avez cru ainsi. Or, si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Et maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi que la résurrection est morte. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices, Christ et ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, afin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont châties, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a châti toutes choses. Mais quand toutes choses lui seront été châties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a châti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Pourquoi aussi nous bravons-nous le péril à la terre? Car votre confiance que j'ai dans le Christ, Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Si pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous,
pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment ressuscite les morts et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quand à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé comme il se rencontre, ou quelqu'une des autres semences, mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu. Et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différente est la gloire des célestes et différente celle des terrestres. Autre la gloire du soleil et autre la gloire de la lune et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts, il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un spirituel. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre poussière, le second homme est venu du ciel. Tel que celui qui est poussière, tel aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel que le céleste, tel aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image céleste. Or, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptiblement, et nous serons changés, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon, où est, ô mort, ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Chapitre 16. Or, pour ce qui est de la collecte, c'est fait pour les saints, comme j'en ai ordonné aux assemblées de Galatie, ainsi faites-vous aussi, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne se fasse pas alors de collecte. Et quand je serai là, ceux que vous approuverez, je les enverrai avec des lettres pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et s'il convient que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Or, je me rendrai auprès de vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverse la Macédoine, et peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver afin que vous me fassiez la conduite où que ce soit que j'aille, car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, car j'espère que je demeurerai avec vous quelque temps si le Seigneur le permet. Que je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte.
et il y a beaucoup d'adversaires. Or, si Timothée vient, ayez soin qu'il soit sans crainte au milieu de vous, car il s'envoie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, mais faites-lui la conduite en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec mes frères. Or, pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup prié d'aller auprès de vous avec les frères, mais ce n'a pas été du tout sa volonté d'y aller maintenant, mais il ira quand il trouvera l'occasion favorable. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes, affermissez-vous. Que toutes choses parmi vous se fassent dans l'amour. Or, je vous exhorte, frère, vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle est les prémices de l'Achaïe et qu'ils se sont voués au service des saints. À vous soumettre, vous aussi, à de tels hommes et à quiconque coopère à l'œuvre de tout travail. Or, je me réjouis de la venue de Stéphanas et de Fortuna et d'Achaïe, parce qu'ils ont supplié à ce qui a manqué de votre part. Car ils ont recréé mon esprit et le vôtre, reconnaissez donc de tel homme. Les assemblées de l'Asie, du Salut, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui s'est réunie dans leur maison, du Salut, affectueusement dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation de la propre main de moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha, que la grâce Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous dans le Christ Jésus. Amen. Fin de la première lecture des Corinthiens. Seconde épître aux Corinthiens. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et Timothée, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans l'Achaïe tout entière. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation nous console à l'égard de toutes nos afflictions afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelques afflictions que ce soit. Par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Car comme les souffrances de Christ abondent à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation s'y abonde. Et soit que nous soyons affligés, soit pour votre consolation et votre salut, qui est opéré dans ce que vous endurez les mêmes souffrances que nous, aussi nous souffrons et notre espérance à votre égard est ferme. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Sachant que comme vous avez part aux souffrances de même aussi, vous avez part à la consolation. Car nous ne voulons pas faire que vous ignoriez tant à notre affliction qui nous est arrivée en Asie que nous avons été excessivement chargés au-delà de notre force, de sorte que nous avons désespéré même de vivre. Mais nous-mêmes, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort afin que nous n'étions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre, en qui nous espérons qu'il nous délivrera aussi encore. Vous aussi coopérant par vos supplications pour nous afin que nous, pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de plusieurs personnes, les actions de grâce soient rendues pour nous, pour plusieurs. Car notre gloire est celle-ci, savoir le témoignage de notre confiance avec simplicité et sincérité de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes conduits dans le monde et plus encore envers vous.
car nous ne vous décrivons pas autre chose que ce que vous savez, et que vous reconnaissez, et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. Comme aussi, vous nous avez reconnus à partie que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous êtes utile de nous dans la journée du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, j'avais voulu aller auprès de vous d'abord, afin que vous eussiez une seconde grâce, et par chez vous passer à Macédoine, et de Macédoine de nouveau aller auprès de vous, et puis que vous me fissiez la conduite vers la Judée. En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté, ou les choses que je me propose de les proposer selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui et le non, non. Mais, Dieu fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en lui, car autant il y a de promesses de Dieu en lui, est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés. Il nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. Or, moi, j'appelle Dieu témoin sur mon âme, que ça a été pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous coopérons à votre joie, car c'est par la foi que vous êtes debout. Chapitre 2. Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas retourner auprès de vous avec de la tristesse. Car si moi, je vous attriste, qui est-ce donc qui me réjouit, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit ceci même afin que quand j'arriverai, je n'ai pas de tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir. Ayant cette confiance à l'égard de vous tous, que ma joie est celle de vous tous, car je vous ai écrit dans une grande affliction et avec serment de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi. Il a attristé, mais en quelque sorte, afin que je ne vous surcharge pas, c'est vous tous. Il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été affligé par le grand nombre de sortes. Au contraire, vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. Car moi aussi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, dans la personne de Christ, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ce dessein. Au reste, quand je suis arrivé à croire pour prêcher l'évangile du Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas titre, mon frère. C'est pourquoi, après avoir pris congé de fidèles, je partis pour la Macédoine. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand en tout lieu par notre ministère le parfum de sa connaissance, car nous sommes devant Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui se perdent.
Pour ce dernier, c'est une odeur de mort et qui donne la mort. Pour les premiers, c'est une odeur de vie et qui donne la vie. Voyez-vous donc qu'un homme serait capable de cela? C'est qu'en effet, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui falsifient la parole de Dieu, mais nous la prêchons devant Dieu en Christ avec pureté et telle qu'elle vient de Dieu. Recommencerions-nous à faire notre propre éloge ou aurions-nous besoin, comme certains, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre de recommandation écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. En effet, il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur nos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons en Dieu par le Christ. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose qui viendrait de notre propre front, mais toute notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance qui n'est pas celle de la lettre, mais celle de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, dont les lettres étaient gravées sur des pierres, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat pourtant passager de ce visage, combien plus glorieux encore sera le ministère de l'Esprit. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justification le surpasse de beaucoup en gloire. Bien plus, ce qui fut glorieux dans le premier ministère disparaît devant la gloire bien supérieure du second. Car s'il y a eu un moment de gloire pour ce qui devait passer, combien davantage sera durable la gloire de ce qui demeure. Ayant donc une telle espérance, nous possédons une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël n'arrêtassent pas leur regard sur la fin d'un éclat qui allait passer. Mais leur intelligence a été obscurcie jusqu'à ce jour quand ils lisent dans ce testament. Ce même voile demeure sans être levé parce que c'est par le Christ seul qu'il peut disparaître. Ainsi, aujourd'hui encore, chaque fois qu'on leur lit Moïse, ce voile est étendu sur leur cœur. Quand ils se convertiront au Seigneur, ce voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, car telle est l'action de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous qui exerçons ce ministère, par la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage, mais nous rejetons les hontes que l'on cache. Nous ne nous conduisons pas avec artifice, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais nous nous rendons recommandables à toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Et si notre évangile est encore voilé, il n'est voilé que pour ceux qui périssent pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Et nous, nous disons vos serviteurs pour l'amour de Jésus, car Dieu a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait aussi briller sa lumière dans nos cœurs afin que resplendisse en la personne de Jésus-Christ la connaissance de la gloire de Dieu.
Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour qu'une puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Dénués de toute ressource, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non annihilés. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans votre chair mortelle. C'est ainsi que la mort agit en nous et la vie en vous. Et comme nous sommes animés de cet esprit de foi qui a inspiré la parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Sachant bien que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. Et tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se répandant avec abondance fasse abonder chez un plus grand nombre les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, mais si notre âme extérieure se détruit, l'âme intérieure se renouvelle de jour en jour, car notre légère affliction du moment présent produit pour nous le poids éternel d'une gloire sans mesure et sans limite, parce que nous ne portons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles. Parce que nous ne portons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si la tente qui nous sert d'habitation terrestre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, ayant l'ardent désir d'être recouverts de notre habitation céleste, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car dans cette tente où nous sommes, nous gémissons comme nous, comme sous un fardeau, parce que nous souhaitons non un dépouillement, mais un vêtement nouveau afin que ce qu'il il y a de mortels en nous soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, même c'est Dieu qui nous a donné au art son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en habitant notre corps, nous demeurons loin du Seigneur. En effet, nous marchons dans la foi et non pas par la vie. Nous sommes dignes pleins de confiance et nous préférons quitter ce corps pour demeurer avec le Seigneur. Aussi faisons-nous tous nos efforts pour lui être agréable, soit que nous restions dans ce corps, soit que nous en sortions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive son le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Pénétrés de la crainte qu'on doit avoir du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne recommençons pas à nous faire valoir auprès de vous.
mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se font gloire des apparences et non de la réalité du cœur. En effet, quand nous semblons être hors de sens, c'est pour Dieu que nous le sommes. Et quand nous redevenons de sens ravi, c'est pour vous. Car nous sommes sous l'empire de l'amour de Christ. Et voici ce que nous pensons. Puisque seul est mort pour tous, c'est donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi, dorénavant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, il réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il nous a chargé de prêcher la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a traité pour nous comme le péché même, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chapitre 6. Ainsi, puisque nous travaillons avec le Seigneur, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Car il est dit, puisque j'ai été exaucé en temps favorable, j'ai été secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne scandalisons jamais personne, afin que notre ministère ne soit exposé à aucun blâme. Mais à tous égards, nous nous affirmons comme ministres de Dieu, par la grande patience avec laquelle nous supportons les afflictions, les détresses, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les peines, les veilles et les privations, comme ministres de Dieu encore, par la pureté de savoir, la longanimité, la bonté par un Esprit Saint, un amour sincère, une parole pleine de vérité, une puissance venant de Dieu, comme ministre de Dieu avec toutes les armes offensives et défensives de la justice, à travers la gloire comme à travers l'ignominie, qu'on nous fasse une bonne ou une mauvaise réputation, qu'on nous regarde comme menteurs, bien que véridiques, comme des gens que l'on ignore alors que nous sommes bien connus, comme des moribonds alors que nous sommes bien vivants, comme des condamnés alors que l'on ne nous met pas à mort, comme plongés à la tristesse alors que nous sommes toujours joyeux, comme misérables alors que nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Ô Corinthiens, notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez ici votre cœur. Ne vous mettez pas sous un joug étranger en vous unissant aux infidèles, car quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Que peut-il y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord existe-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Séparez-vous d'eux et ne touchez point à ce qui est impur. Je vous accueillerai, je serai votre père et vous serez mes fils. Et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Chapitre 7. Puisque nous avons de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit et achevons notre sanctification dans le trône de Dieu. Faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons lésé personne. Nous n'avons dépouillé personne. Nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car je vous ai déjà affirmé que vous êtes dans le cœur à la vie et à la mort. J'ai en vous une entière confiance. J'ai tout sujet de me glorifier à votre égard. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Il faut vous dire qu'à notre arrivée en Macédoine, nous n'avions eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, combat au dehors, crainte au dedans. Mais le Dieu qui console ceux qui sont battus nous a consolés par la venue de Tite. Et non pas seulement par sa venue, mais aussi par la consolation qu'il avait lui-même reçue de vous. Il nous a dit avec ardeur vos larmes, vos ailes pour moi, ce qui a rendu ma joie plus grande encore. Si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé, du moins sur le moment, maintenant je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. En effet, vous avez été attristé selon que Dieu le veut, de sorte que vous n'avez éprouvé de notre part aucun dommage. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, et dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voyez en effet quel empressement cette tristesse selon Dieu a produit en vous. Que dis-je? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quelle ardeur, quel zèle, quelle sévérité. Vous avez montré en tout point que vous étiez innocent dans cette affaire. En fait, si je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de l'offenseur ou à cause de l'offensé, mais afin que votre dévouement pour nous se manifestât parmi vous devant Dieu. Voilà ce qui nous a consolés. Outre cette consolation, nous avons éprouvé une joie beaucoup plus grande encore à la vue de la joie de Tite, car vous lui avez tous mis l'esprit en repos. Si je me suis un peu glorifié à votre sujet auprès de lui, je n'en ai pas eu de confusion. Mais de même que nous vous avons toujours dit la vérité, de même l'éloge que nous avons fait de vous à Tite s'est trouvé être la vérité. Son affection pour vous redouble. Lorsqu'il se rappelle combien tous vous avez été obéissants et avec quelle crainte tremblante vous l'avez accueilli, je me réjouis de pouvoir compter sur vous avec une entière confiance. Or, nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de la Macédoine. C'est que dans une grande épreuve de tribulation, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité, car selon leur pouvoir, j'en rends témoignage, au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément, nous demandant avec de grande insistance la grâce et la communion de ce service envers les saints, et non seulement comme nous l'avions espéré. Mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu, de sorte que nous avons exhorté Tite, afin que, comme il l'avait auparavant commencé, ainsi aussi il acheva. À votre égard, cette grâce aussi. Mais comme vous abondez en toutes choses, en foi et en parole et en connaissance et en toute diligence, et dans votre amour envers nous, que vous avons dit aussi dans cette grâce. Je ne parle pas comme donnant un commandement, mais à cause de la diligence d'autres personnes et pour mettre à l'épreuve la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous,
afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Et en cela, je vous donne un avis, car cela vous est profitable à vous qui avez déjà commencé dès l'année passée non seulement de faire, mais aussi de vouloir. Or maintenant, achevez aussi de faire, de sorte que comme vous avez été prompt à vouloir, ainsi aussi vous voyez prompt à achever. En prenant sur ce que vous avez, car si la promptitude à donner existe, elle est agréable selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. Car ce n'est pas afin que d'autres soient à leur aise et que vous soyez opprimés, mais sur un principe d'égalité. Que dans le temps présent, votre abondance supplie à leurs besoins, afin qu'aussi leur abondance supplie à vos besoins, de sorte qu'il y ait égalité selon ce qui est écrit. Celui qui recueillait beaucoup n'avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'avait pas moins. Grâce à Dieu qui met le même zèle pour vous dans le cœur de Tite, car il a reçu l'exhortation, mais étant très zélé, il est allé spontanément auprès de vous. Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange dans l'Évangile est répandue dans toutes les assemblées. Et non seulement cela, mais aussi il a été choisi par les assemblées pour notre compagnon de voyage. Avec cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du Seigneur lui-même et pour montrer notre empressement, évitant que personne ne nous blâme dans cette abondance qui est administrée par nous, car nous veillons à ce qui est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère Buzel, duquel, en plusieurs jours, nous avons souvent fait l'épreuve, et qui maintenant est beaucoup plus zélé à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Quand Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous. Quand nos frères, ils sont des envoyés, des assemblées, la gloire de Christ. Montrez donc envers eux devant les assemblées la preuve de votre amour, et du sujet que nous avons eu de nous glorifier de vous. Chapitre 9. Il est superflu que je vous écris touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Et donc jugez nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. La justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards
contre toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit les besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, nous renversons des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre éducation et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent, en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présent. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a signé, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites que nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai
était inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, tu le sais, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravagante. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Tu es le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Aretas faisait garder la ville de Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Chapitre 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui
plus il y a 14 heures à vivre jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas l'insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas empli d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me suppléter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres. Par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi cet ordre. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Où sais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre éducation. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Chapitre 13.